Mais diagnostic, votre magazine d'analyse, d'études des systèmes. On revient avec ces nouveaux numéros pour analyser un système, une institution, dans les soucis ou dans les buts, et d'apporter la lumière ou encore les remèdes. Bienvenue à tous des partout où vous nous suivez. L'émission sera toujours co-présentée comme d'habitude avec Igor Bioka, que je reçois en saluant. Tu m'as imité la couleur de la veste. Bienvenue. Merci. Et pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir un personnel de santé à la personne du docteur Farfan Mbaki, qui est coordonnateur national de l'ANAMED, une association pour les médecins du réter qui évolue dans les secteurs privés. Bienvenue chez nous, docteur Farfan. Bonjour, Igor. Bonjour. Bonjour. Merci. Docteur Farfan Mbaki, une fois de plus, bonjour et bienvenue ici chez nous à Ecofin Télévision. Bonjour. Voilà, nous vous recevons en qualité de docteur, mais également médecin, directeur des hôpitaux, mais qui évolue dans le secteur privé, notamment avec notre association ANAMED. Déjà, c'est quoi en quelques lignes ANAMED? Merci pour cette question si pertinente. L'ANAMED, c'est une association de médecins directeurs qui évolue dans le secteur médical. Il est né pour des objectifs suivants. Globalement, c'est pour promouvoir le bien-être commun des structures sanitaires qui évoluent dans le secteur médical privé, y compris ses personnels, et tout en respectant les 6 piliers du système de santé de l'OMS, dont notamment la gouvernance et leadership, et la prestation de services, et l'accès aux soins, l'accès aux médicaments essentiels. Il y a deux personnels, financement et système de santé en RD Congo, rien que pour donner les soins de santé de qualité à la population qui nous attend. Voilà, déjà, l'ANAMED, c'est l'Association nationale des médecins directeurs du secteur médical privé en RDC. Vous l'avez commencé, ça date de quelques temps. C'était quoi au départ déjà vos motivations? Bon, à vrai dire, si vous remarquez les systèmes de santé en RD Congo, selon le programme national de développement sanitaire, comprend quatre secteurs, ou reconnaît quatre secteurs. Il y a le secteur public, et qui est représenté par tout ce que vous attendez par les hôpitaux généraux de référence. Il y a le secteur médical privé, dont nous citons, il y a des structures à but lucratif et les structures à but non lucratif. Ça, c'est le deuxième secteur que le PNDES reconnaît. Et puis, nous avons le troisième secteur, c'est le secteur pharmaceutique privé. Et le quatrième secteur, c'est le secteur traditionnel. Alors, l'ANAMED a pris l'initiative depuis le 19 avril 2024, sous cette initiative que Dr Mbaki s'est tenue en disant que non. Alors, si vous remarquez les différents secteurs dans le système de santé de la RD Congo, les trois sont organisés et puis restructurés. Mais depuis pas mal de temps, j'ai remarqué que non, le secteur médical privé demeure sous une indépendance et dans la non-restructuration. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas placer une structure qui va représenter le secteur médical privé en face du gouvernement? Et à présent, si vous remarquez trop bien, le secteur médical privé demeure sans correspondance, sans représentant, sans même ce qu'on entend parler par un système du secteur médical privé national, sérieux. Alors sur ce, l'ANAMED est venu pour pallier à ces problèmes. Alors, monsieur Mbaki Fanfan, alors vous venez de le dire ici, vous avez été un certain nombre d'objectifs que poursuit l'ANAMED. Moi, en tout cas, j'ai retenu également, vous participez ou carrément vous contribuez à l'assainissement, mais également à la restructuration du secteur médical privé. C'est en tout cas une ambition, je dirais, une très bonne ambition. Je vous félicite. Mais si on regarde bien le secteur médical privé en République démocratique du Congo, on a comme l'impression, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est un secteur qui demeure délaissé. Et justement, en regardant tout particulièrement le centre de santé qui foisonne dans le secteur privé, on a comme l'impression que vraiment c'est là et dans un tohu-bohu complètement total. Alors comment l'ANAMED compte-t-elle s'organiser pour remettre un tout petit peu de l'ordre dans ces sens-là?
Merci pour cette question. Si je viens de vous attendre, je pense que vous êtes revenu dans les objectifs spécifiques de la maladie. Ouais. Alors, dans le premier, c'est l'assainissement et la restructuration du secteur médical privé. Oui. La maladie a beaucoup des objectifs spécifiques. Dans la deuxième, c'est la promotion collective du secteur médical privé. La NAMED aussi est là pour amplifier les actions des différents ordres, dont notamment l'ordre du médecin, l'ordre des infirmiers, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des administratifs. Et la NAMED est là aussi pour amplifier les interactions entre les différents ordres qui évoluent d'une manière indépendante. La NAMED aussi est là pour mettre le secteur médical privé dans sa globalité, au profit du gouvernement ou de l'État devant un problème sanitaire qui pouvait un problème sanitaire qui touche la population. C'est dans ce cas-là que l'ANAMED est là pour restructurer le secteur médical privé. Donc, en fait, j'ai bien compris en tout cas votre préoccupation, mais en fait, j'aimerais bien que vous puissiez un tout petit peu articuler de manière beaucoup plus concrète comment l'ANAMED, je reprends en tout cas, comment l'ANAMED va-t-elle s'organiser pour avoir un contrôle permanent afin que le centre de santé qui, en tout cas, naissent comme des champignons en République démocratique du Congo, qu'on n'assistait plus en tout cas à ces phénomènes-là que je dirais malsains. Alors, vous le savez d'ailleurs comme moi, aujourd'hui, là, la plupart des gens, en fait, je ne vais pas m'hasarder à dire des chiffres ici, pourquoi? Parce que je n'en ai pas la compétence, mais si on regarde bien la plupart des gens qui meurent, c'est aussi en contrepartie, en raison du délaissement, n'est-ce pas, du secteur médical privé. Non, ce n'est pas un délaissement. C'est le problème lié à l'organisation. Okay. Si à présent, il faut mettre une aperçu sur le système de santé en RD Congo, je vous dirais que non, le système de santé en RD Congo se connaît de la manière suivante. Au niveau national, nous avons le ministre national qui est là pour représenter le secteur au niveau politique. Okay. Et en seconde position, nous avons le secrétaire général qui est là pour... Il y a le 13 directions, y compris 5 ans de programme. Et en troisième position, nous avons l'inspection générale de la santé qui est là pour le respect des normes et des directives. Ça, c'est le niveau national. Au niveau provincial, nous avons le ministre provincial qui représente aussi les secteurs au niveau provincial. La seconde position, nous avons le DEPES. Le DEPES est là comme pour assurer l'encadrement des zones de santé au niveau provincial. Et puis, nous avons aussi l'inspection provinciale de la santé qui est là pour rejoindre ou en marcher en synergie avec l'inspection générale de la santé. Alors, le secteur médical privé vient en troisième position dans le secteur périphérique ou le niveau opérationnel. De là, nous trouvons les zones de santé qui sont représentées par les bureaux centraux. Et en d'autres parties, nous avons les centres de santé. Et dans ça, je ne mérite pas vous dire que non, il n'y a pas une désorganisation. Mais il y a une organisation qui n'est pas restructurée. Alors, s'il faudrait revenir dans ça, je vous dirais que non. Même les concepts que les centres de santé en ont ne respectent pas ce que la population attendait. Par exemple, s'il faut restructurer les secteurs médicaux privés, j'en dirais, il y a des postes de santé. Ils sont là pourquoi? Personne n'en connaît. En République démocratique du Congo, il y a aussi des postes de santé. Il y a des postes de santé qui évoluent dans le secteur médical privé. Okay. Nous avons le centre de santé. C'est quoi concrètement la différence entre le poste de santé et puis le centre de santé? Alors, les postes de santé, au vrai sens du mot, ce ne sont pas des établissements de santé. Okay. Ce sont le lieu du travail que dispose un hôpital qui donne les infirmiers l'aspect de donner les traitements au personnel. D'accord. Et le centre de santé, c'est comme des établissements de contact avec la population. Et dans les centres de santé sont là pour... Les centres de santé sont là pour donner les traitements au premier recours, notamment les soins curatifs primaires. La deuxième des choses, c'est le traitement préventif. La troisième des choses, c'est les soins maternels et le planning familial. Mais si nous revenons dans ça, ce sont des paquets minimums d'activités que beaucoup de centres n'en respectent pas. Et dans ça, nous avons soi-disant les centres de santé de référence. Donc vous convenez avec moi que les centres de santé dans le secteur privé se trouvent dans un état de désorganisation. Ben oui, nous ne sommes pas restructurés. Okay. C'est la structuration est représentée par le référence.
À présent, est-ce qu'un peuple malade, une fois qu'il est dans un poste de santé, qui normalement devait être appelé un dispensaire, parce qu'un dispensaire, c'est juste un établissement de santé qui est là pour donner les traitements aux indigents. Vous pensez bien que non, cette personne-là qui est malade, une fois qu'elle est le poste de santé n'arrive pas à maîtriser son traitement, peut-être transféré dans un centre de santé. C'est là où il y a des problèmes. Okay. Donc, le problème est lié dans la référence. C'est quoi la référence pour que vous puissiez, donc, puisque vous avez dit ici que vous participez, n'est-ce pas, à la restructuration du secteur médical privé, quelles pistes de solutions proposer? La NAMED en propose beaucoup. Okay. La première des choses, en RD Congo, si vous voyez les secteurs médicaux privés, il n'y a pas des indications, des prescriptions, des règlements, voire même des lois qui régissent les secteurs. Okay. Oui, je vous dis ce qui est vrai. Aujourd'hui, vous pouvez être là un bon matin, et demain, vous vous réveillez. Moi, j'ai l'impression d'ouvrir un centre de santé. Il n'y a pas une procédure logique. Okay. Et la NAMED est là pour pallier à ces problèmes. Comment la NAMED pouvait annoncer à la population, si aujourd'hui vous voulez ouvrir un centre, venez avec une lettre de demande d'ouverture. Et la NAMED va vous accompagner dans la réalisation de votre projet. Et la NAMED a un bureau d'étude qui est là, rien d'autre que pour traiter les problèmes liés dans cette désorganisation. En plus de ces problèmes, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous identifiez en plus des solutions? Afrique, si vous remarquez le secteur médical privé, depuis la création du système de santé, le secteur médical privé, dans le plan statistique, le secteur prend en charge plus de 44% de la population en ambulatoire. Okay. Et 25% de la population en hospitalisation. 80% des cas en chirurgie sont soignés dans le secteur médical privé. Mais si vous remarquez le secteur, on nous accuse qu'il y a plus de 3000 structures qui sont là, ni enregistrées comme le secteur public, encore moins dans le secteur médical privé, encore très moins dans les organisations confessionnelles. Donc, ils ne sont pas reconnus. Okay. Et le secteur médical privé est accusé de la présence de plus de 2000 personnels fantômes. Okay. Alors moi, je me pose des questions. Est-ce que ce sont des personnels professionnels, mais qui n'ont pas jusqu'à présent un numéro d'ordre? Et la deuxième des choses que je me pose comme question, est-ce que ce sont des personnels non professionnels, mais qui évoluent dans le secteur? Et la troisième question que je me pose, est-ce que ce sont des expatriés qui ne sont pas identifiés, qui évoluent dans le secteur? En tout cas, on aimerait bien rester dans cet angle de vue-là, parce que je voudrais bien qu'ils puissent dérouler des fonds en comble, des pistes de solutions entre qu'ils sont en train de proposer pour pouvoir assainir, parce que ça fait même partie de l'objectif de la REP, pouvoir assainir le secteur médical privé. Il vient d'évoquer ici des chiffres faramineux. Oui. J'aimerais bien, en tout cas, puisque vous avez évoqué ici, il y a beaucoup de personnel qui œuvrent dans le secteur médical privé sans être reconnu. Okay. Vous les avez identifiés avec des chiffres précis. On ose croire que vous avez mené des investigations pour pouvoir parvenir à cela, mais on aimerait bien savoir, face à ces problèmes, qu'est-ce que vous, en tant qu'ANAMED, en tant que structure qui est justement dans le secteur privé, qu'est-ce que vous préconisez pratiquement comme solution pour pouvoir donc faire en sorte que tous ces personnels non identifiés puissent retrouver en tout cas la bonne marche? Ouais, merci pour cette question, et rassurez-vous que dans l'ANAMED, à un programme de recensement et d'enregistrement de toutes les structures qui évoluent dans le secteur médical privé. Nous avons élaboré un programme qu'on va présenter au gouvernement, plus précisément au ministère. Au ministère de la Santé publique, hygiène et prévention sociale, à qui il est représenté par le docteur Roger Kamba, qui me suit à présent. Voilà. Et l'ANAMED voulait asker que nous puissions avoir ces recensements, que nous nous rendons compte, est-ce que vraiment le secteur est envahi par des structures qui ne sont ni dans le public, ni dans le privé, et encore moins de personnes qui évoluent pour souillir l'image du secteur. C'est très important. Oui, c'est très important. Voilà, docteur, j'aimerais rebondir un peu en arrière. Une question, vous l'avez effleurée, mais j'aimerais y revenir un peu.
En lisant votre document sur le résumé de l'ANAMED, je dirais que vous avez commencé en 2023, c'était au mois d'avril. C'est-à-dire que les secteurs santé, les secteurs médicaux privés en RDC existent depuis plusieurs décennies. Et vous l'avez commencé en 2023. Est-ce que vous pensez que vous êtes le seul à pouvoir y commencer ou bien avant vous, il y a peut-être quelqu'un qui avait déjà essayé mais qui n'a pas abouti à des fins concrètes? Bon, merci pour cette question. Et le secteur médical privé, et depuis que l'arrivée d'une équipe, on appelle Shops PC, IPC Associative, avait fait une évaluation en 2017. Et cette équipe-là était là pour évaluer le rôle du secteur médical privé dans l'amélioration des performances des systèmes de santé en RDC Congo. Ils ont trouvé en place une structure au nom des ASPS. C'est une alliance des secteurs privés de la santé. Qui existe, qui bon, est fonctionnelle. Selon le commentaire de Shops PC, l'ASPS était en train de régulariser les documents durant tout ce temps-là. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la SPS n'existe plus jusqu'à présent? C'est parce que les objectifs ou le mandat n'étaient pas clairs. Puisque la SPS avait comme vision, c'est la gouvernance et la visibilité des structures à but lucratif. Mais les secteurs ne présentent pas seulement les structures à but lucratif. Il y a aussi des structures à but non lucratif, dont notamment les ONG et les organisations confessionnelles. Et jusqu'à présent, s'il faut revoir la SPS, on n'a pas le feedback que les secteurs médicaux privés attendent d'eux. On n'en a pas. C'est depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. On n'entend plus parler de SPS. La preuve en est, il y a le coronavirus. Je vous confirme, au Congo-Brazzaville, il y a un protocole d'accord a été signé entre le secteur médical privé et le secteur public. Que le secteur public a mis à la disposition du secteur médical privé des outils pour défendre contre un fléau de la maladie dont on nommait le coronavirus. Là, c'était en 2015. Si j'ai une bonne mémoire, c'était le 15 février 2015. Et le secteur médical privé a... Non, il ne les prévoyait pas. Au Congo-Brazzaville, le secteur est tellement organisé de la manière que non, le secteur médical privé est comme une correspondance. Donc, à présent, s'il faut frapper la porte, au Congo-Brazzaville, on sait très bien que lorsqu'il y a un problème qui arrive au secteur médical privé, ils savent où trouver des solutions. Parce qu'il y a un représentant du secteur médical privé dans sa globalité. Et c'est ce qui manque ici en RDC Congo. Et c'est sur base de tels éléments, je me suis dit non, le secteur, c'est quand même une seconde main du secteur médical public. Alors pourquoi le secteur, jusqu'à présent, n'a pas de structuration? Alors il faut placer une structure qui va représenter le secteur médical privé et puis qui mettra aussi le gouvernement à l'aise. Parce qu'à présent, lorsqu'il y a un problème qui frappe le secteur médical privé, il sait où aller frapper la porte. Mais ANAMED, il y a ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Et l'ANAMED sera là pour donner les informations que le gouvernement attend de nous. Parce que s'il faut revenir dans ces statistiques, le secteur médical privé occupe pratiquement 69% de la prise en charge de la population. Et 80% là, 69% pour le cas médical ou médicaux, mais pour des cas chirurgicaux, c'est dans les 80%. Donc nous sommes quand même un secteur que le gouvernement devrait reconnaître et puis assainir ou restructurer. Je dis ça pourquoi, s'il faut remonter l'histoire, nous sommes en 1960. Le Belge est parti. Le pays a profité bel et bien du bienfait de l'époque coloniale, notamment dans le domaine de la santé publique et finance. Et dans cette époque-là, si j'ai une bonne mémoire, nous avions une démographie de 13,5 millions d'habitants qui avait une pression négative dans le budget de l'État. Donc, c'est-à-dire que le budget de l'État prenait la suprématie sur la population. Donc, la population était prise en charge par l'État dans le domaine de la santé publique. Et dans cette époque-là, il n'y avait pas la naissance d'un seul centre, le secteur médical privé. Et nous sommes arrivés en 1970. Après le départ, il y a eu des insécurités politiques à répétition. Et c'est ce qui a détruit
l'appareil du secteur médical public. Et cette tendance, moi j'appelle, il y avait eu un vide réglementaire qui s'est créé. C'est dans cette époque-là que les investisseurs du secteur médical privé ont exploité leur formation sanitaire. Cette fois-là, ce n'était pas pour rendre service au gouvernement, c'était pour des calculs économiques. Et cette tendance-là a nui l'équité et l'accessibilité de la population dans les soins de santé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant tout ce temps-là, les investisseurs extérieurs envoyaient de l'argent pour nourrir juste l'appareil de certains médicaux publics. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'argent qu'on envoyait dans les domaines de rentabilité était détourné, ce qui a créé même la faillite dans le secteur médical public. D'accord. Et les investisseurs n'ont pas voulu renouveler leur bienfaisance dans la donation de tout ce que nous, le pays, attendait d'eux. Et cette tendance-là a soumis le secteur médical public dans la même contrainte de performance de secteur médical privé. C'est-à-dire quoi? Nous, on était là. En d'autres termes, oui. Le délaissement du secteur public a fait en sorte que, n'est-ce pas, les gens se concentrent plus sur les secteurs privés. Mais en se concentrant, vu le calcul économique, nous, on taxe cher. Voilà. C'est ça même. Et ceci a créé le manque d'équité. Voilà. Ou un obstacle structurel à l'accès. Vous comprenez un peu ça, non? Alors, dans le secteur médical public, il n'y avait pas de financement. Et ce qui fait en sorte que sur le plan international, l'apport public dans le secteur sociaux baisse. Et ceci a soumis le secteur médical public dans le même contexte de performance. Ici, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander de l'argent. Et on nous dit dans cette époque-là, les finances du secteur médical public dépendait des ménages et des foyers. Et cette position a encore nui à l'accessibilité. Aux soins de santé. Aux soins de santé. Et ceci a augmenté même les taux de mortalité en RD Congo. Et c'est une histoire importante que le secteur n'arrive pas à jeter un coup d'œil. Docteur, j'aimerais encore qu'on avance un tout petit peu, mais avec les mêmes points que vous avez touchés lors de votre dernière intervention. Vous avez parlé de financement qui cadrait avec les secteurs publics et les prix du traitement dans les secteurs privés. À ces jours, c'est vrai, on ne vous accuse pas, mais tout le monde le sait, que les secteurs privés, en RDC ou bien dans le monde, a plusieurs grands hôpitaux, mais les coûts de vos traitements, les coûts des soins, des santé dans vos centres sont les plus élevés, les plus exorbitants, ce qui permettrait peut-être, ce qui demande à ce que la population vous tourne un peu la population lambda qui n'a presque rien, vous tourne les dos pour aller s'y fier au centre de santé d'ordre public. Mais comment est-ce que vous justifiez cela? C'est très important cette question. Vous vous rassurez, lorsque le secteur médical privé est légiféré ou en d'autres termes est réglementé par le secteur médical public, on n'aurait même pas d'y avoir de tels problèmes. Sur le plan papier, le secteur médical privé n'est pas réglementé par le ministère de la Santé. Où c'est la réglementation devrait couvrir l'ouverture des structures de santé, la tarification de produits et des services. C'est très important. Mais jusqu'à présent, j'en dis que non, le ministre ou le ministère n'a pas encore de temps perdu, puisque le ministère a plusieurs possibilités d'interagir avec le certain médical. Vous avez saisi le ministère? Oui, saisir le ministère, nous sommes une structure débutante. On a compris les enjeux et nous sommes en train d'étudier sur ça. À maître épouse, on a rempli les audiences. Pourquoi? C'est parce que le ministère est considéré comme l'organisme de législation, premièrement. La deuxième des choses, le ministère de la Santé est le rassembleur des groupes publics-privés. Et en troisième, il est là comme un facilitateur du partenariat public-privé. C'est ce qui nous manque à nous au Congo. C'est sur le ministère, c'est tout un problème. Vous-même, vous connaissez au Congo.
Le Congo fait partie des 182 pays sur 90 dont la facilité de faire l'affaire est difficile. Qui va vous croire? Et nous sommes montrés débilités, puisqu'on sait très bien qu'on y arrivera. Lorsqu'on a des statistiques, on sait très bien que non, le ministre va comprendre les enjeux. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez un tout petit peu clarifier, puisque vous avez évoqué ça ici, la non-réglementation du secteur privé par le ministère de la Santé. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que non, si vous comptez, le secteur médical, où le niveau opérationnel est représenté par les ordres de santé, qui sont au nombre de 516. Il y a des hôpitaux publics qui sont au nombre de 313. Et le secteur privé ou les centres de santé qui sont au nombre de plus de 8266. Alors, si vous amenez cette statistique. Donc, le ministère des Santé est en passe d'identifier concrètement les centres de santé qui sont dans le secteur privé. Même s'il faut identifier, nous avons combien de structures? La première des choses, dans le secteur privé, nous avons le poste de santé qui devrait être identifié d'une manière particulière. Nous avons des maternités, nous avons des centres de santé, nous avons les centres de santé de référence, nous avons les imageries et nous avons le laboratoire biologique qui la même a prévu dans ces recensements, il y aura l'identification de chaque structure. Mais qu'en est-il des hôpitaux, toujours du centre de santé, hôpitaux qui se trouvent toujours dans le secteur privé, mais qui sont très très mal organisés? Quelle lecture l'ANAMED, quelle lecture vous en tant que structure et vous dans le secteur privé, faites-vous de ces structures sanitaires privées? Okay, merci. Et si vous remarquez le secteur médical privé, et dans le secteur, nous avons pratiquement, je venais de vous les citer, plus de 8200 structures. Alors, parmi les 8200 structures, s'il faut compter combien de structures qui existent aujourd'hui tout en respectant le procédé d'ouverture, c'est moins de la moitié. Premièrement, la deuxième des choses, dans le centre de santé, qui sont censés avoir une activité que nous appelons le paquet minimum d'activités. Et ils sont là, mais ils présentent d'autres paquets complémentaires d'activités que prévus par les hôpitaux généraux de référence. Donc, les centres qui respectent le paquet minimum d'activités sont en deçà aussi de la valeur que nous cherchons. La troisième des choses, il y a des centres qui existent. S'il faut compter le nombre de personnels qui sont en formation continue ou recyclés pendant l'exercice, la statistique ne va pas vous plaire. La quatrième des choses, la supervision des structures par les inspecteurs de la santé pose problème. La cinquième des choses, et dans le secteur médical privé, je venais de vous citer, il y a plus de 80% de malades qui sont suivis en secteur médical privé dans la prise en charge des cas chirurgicaux. Afin que vous continuiez, sans pour autant vous interloquer, j'aimerais bien que vous puissiez rebondir un peu sur la supervision par les inspecteurs de santé qui posent problème. À quel niveau ça pose problème concrètement? Mais déjà, quand tu es médecin directeur, tu évolues dans le secteur médical privé. Quelle que soit ta structure privée, mais la mission est publique. Tu devrais être supervisé dans votre manière d'agir. Est-ce que la prise en charge que l'État cherche, c'est que vous utilisez? Ils sont habilités pour la supervision, ne font pas très bien leur travail? Non, ils sont là, mais ils ne sont pas nombreux. Ah, ok. Et d'ailleurs, ils ne viennent pratiquement pas. D'accord. Et par rapport à l'intervalle, moi, depuis que je suis médecin directeur, s'il faut compter le nombre que j'étais supervisé, c'est une fois, pendant 7 ans. Voilà. 7 ans de carrière, mais supervision une fois. Alors, ce sont des choses que l'ANAMED, tant que structure privée, devrait passer de temps en temps en revue, superviser. Et en même temps, en supervisant, vous allez collecter les problèmes que les structures subissent. Ok. Ça, c'est important. Docteur, je vais m'atteler, c'est votre dernière réponse. L'ANAMED, vous proposez certainement des pistes, des solutions. Dans les secteurs privés, il y a des hôpitaux qui tombent, peut-être dans des cas, je pourrais dire des malfrats. Je prends l'exemple d'un cas récent qui était lié à la maternité d'une dame qui avait perdu la vie à l'hôpital Akram. Qu'est-ce que ANAMED prévoit, peut-être en matière de sanctions, mais en matière de soutien pour les hôpitaux comme Akram de maternité, qui a été d'abord scellé jusqu'à ces jours, et puis pour des structures de santé dans les domaines privés, mais qui n'exercent pas bien leur travail?
Merci. Et revenons d'abord par Accram. S'il faut définir l'Accram, Accram, c'est un centre hospitalier. Accram n'est pas un centre de santé ou un poste de santé ou un dispensaire. C'est un centre hospitalier qui évolue dans le secteur privé. L'Accram a une capacité de fréquentation de plus de 50 ou 60 lits. L'Accram a engagé de personnels qui aujourd'hui sont au chômage. L'Accram prend en charge la population des mentités qui aujourd'hui manque de la prise en charge d'Accram. C'est vrai que l'incident est tombé, mais s'il faut décrire l'histoire, l'Accram n'a agi que par la prise en charge. L'Accram a référé la dame. Et la dame a suivi une chaîne de référence. Il a quitté ou elle a quitté une structure publique vers une structure publique. Et le sida est arrivé en dehors de la prise en charge d'Accram. Même si la dame a commencé sa prise en charge à Accram. Et si aujourd'hui Accram est en train de subir, c'est parce que peut-être que le ministre n'a pas lu la prise en charge d'Accram. L'Accram, puisque le cas clinique ne sont pas statiques, le cas clinique sont dynamiques. Aujourd'hui, je peux recevoir une malade ou un malade en état calme, il y a des paradoxes. Le soir, il peut changer d'un état. Et l'Accram a vu que non, ça c'est un cas que moi je ne devais pas prendre en charge. L'Accram a pu transférer la dame. Et en arrivant ailleurs, l'incident est arrivé. Le ministre a pris une décision qui aujourd'hui, pendant des conférences, je prends toujours la défense du ministre. Et dans le secteur, il considère cette décision comme une injustice sectorielle. Pourquoi l'Accram est scellée? Oh, l'Accram a référé le cas. Mais maman est mot de mère. Si vous lisez la lettre du ministre, le ministre a pris cette décision-là en réservant des copies pour le secrétariat général, l'inspection générale, il a réservé la copie pour la DPS, il a réservé la copie pour le coordonnateur de CSU. Or, le ministre devrait consulter l'inspection générale. Et je pense bien que le ministère a jugé dans ces cas. Alors, si c'est une décision unilatérale que le ministre a prise, il est le père de famille. Il est comme là, l'église au milieu du village. Il peut facilement revenir dans sa décision. Parce que cette décision frustre le secteur. Pour d'autres, ils disent que non, cette décision, c'est une menace pour le secteur. Moi, je dis non. Le ministre, il est là, il dirige le secteur de la santé au niveau national. Il représente les systèmes de santé. Et il définit les politiques et les priorités. Et si vous remarquez aussi l'intervention de président du CEOM, Dr Boula, parce que le ministre devrait aller même jusqu'à ce qu'à confisquer ou à retirer les numéros des personnels. Mais Dr Boula dit quoi? Le ministre n'a pas cette compétence de retirer un numéro. Le ministre devrait saisir l'ordre. Et c'est à l'ordre de prendre de mesure. Parce qu'on sous-entend que lorsqu'on vous donne un numéro, c'est un numéro à vie. Okay. Mais aussi, je ne pense pas que le ministre a pris cette décision seule. Peut-être il a vu et revu les institutions. Par exemple, l'inspection générale de la santé. Nous, on attendait d'avoir une décision écrite par l'inspection générale de la santé. Donc c'est l'inspection générale de la santé qui était à l'intérieur. Oui, parce que c'est lui qui décrit des directives. Et c'est lui qui a l'amabilité de sanctionner. Alors, puisque nous parlons de l'incident... Ma question de la fin n'a pas été répondue, parce que vous avez répondu pour les cas à Accram. Oui. Je prends les cas dans les secteurs privés, oui, et les secteurs médicaux privés. Qu'est-ce qu'Anamed prévoit en matière de sanctions contre les hôpitaux, les centres de santé qui œuvrent dans votre secteur, mais qui commettent des bavures? Bon, à présent, l'Anamed n'a pas cette amabilité de sanctionner. L'Anamed est là pour observer. Pour que si le tel structure existe... Pour faire rapport à qui? Oui. Écoutez, si les têtes structures existent, ce n'est pas l'ANAMED qui a donné une autorisation d'ouverture. L'ANAMED est venu trouver le problème. Et l'ANAMED prévoit une nouvelle réforme. Et l'ANAMED, au sein de l'ANAMED, nous avons à peu près plus de 12 maîtres avocats. Et je pense bien que donc, par rapport à cette question, ça c'est un statut juridique.
un avocat défendre quelqu'un qui a tué quelqu'un. En fait, moi, j'aimerais, sérieux, avoir 50 avocats, c'est là, ne vous donne pas raison. Parce qu'un avocat, il a même servi, commis un crime contre l'humanité, il va certainement vous défendre parce que vous êtes son client. Mais en fait, comment est-ce qu'Anamed fait pour recruter les structures sanitaires dans son association? Au préalable, l'Anamed, c'est une structure à la portée de tout le monde. Regardez que cet hôpital. Non. L'ANAMED n'a pas une minorité ou une majorité. Et d'ailleurs, pendant la prise de contact, l'ANAMED est allé même dans des centres qui se trouvent dans les fins fonds. Où le traitement n'est pas conséquent. Mais oui. Vous les recrutez. Oui. On recrute tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? L'ANAMED va subventionner le vulnérable. D'accord. L'ANAMED va utiliser les minorités. Les minorités que moi j'appelle les minorités, ce sont des centres qui ont une bonne application. Par exemple, le Diamant, Moncolé, Maintien des Nuits. On peut s'en servir d'eux pour donner les exemples aux autres. C'est-à-dire quoi? Voilà ce que le Diamant présente. Pourquoi vous ne pouvez pas revenir dans ça? Si c'est un problème financier, l'ANAMED est même prêt de bancaniser les secteurs, c'est-à-dire quoi? Vous ouvrez un compte dans le compte de la structure, que l'ANAMED peut jouer l'intermédiaire afin que la structure soit subventionnée. L'ANAMED n'est pas là pour donner des sanctions, mais dans les jours à venir, mieux vaut d'arrêter avec les ouvertures des centres, que de continuer d'avoir ce que nous subissons. L'ANAMED est en train de travailler. Non. L'ANAMED veut quoi? Dans les jours à venir, pour avoir cette amabilité d'ouvrir un centre, vous devrez écrire. Vous faites une lettre de demande d'ouverture. L'ANAMED va lire la lettre et va vous demander ce qu'il faut faire. Comment? L'ANAMED va vous brandir un document disant que non, voilà ce que le secteur de la santé présente. Ça, c'est la réglementation qui est comme la première étape que vous êtes censé en connaître. Comment? Il faut octroyer tel document, tel document, tel document. La deuxième des choses, l'ANAMED va vous dire, vous voulez ouvrir un centre, oui, mais amenez-nous les diagnostics territoriaux. C'est-à-dire quoi? Il faut avoir en vous le besoin de la population en matière de la santé ressentie. Et vous allez tourner votre soin en rapport avec l'offre de soins existants. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre les besoins de la population et les soins que vous allez apporter dans cette population-là. Par exemple, vous allez à Makala, vous ouvrez un HJ. Alors, qui va entrer là-bas? Personne. Et cette structure-là va subir ce qu'on appelle par les insuffisances des services. Et dans les jours à venir, vont fermer des portes. D'accord. Et la troisième des choses, Anamed va vous dire, amenez-nous la liste de personnel. Et qu'est-ce que l'ANAMED va faire avec cette liste? Au début, j'avais dit dans les objectifs spécifiques, l'ANAMED va amplifier les actions des ordres. L'ANAMED va prendre la liste de personnel et les envoie dans des différents ordres qui existent au Congo. Et c'est aux ordres de nous dire si les personnels sont authentiques ou pas. Et ce sont des choses que nous, depuis longtemps, si je vous fais lire la loi, nous sommes cités seulement, nuls. Ne peut ouvrir un centre de santé, ça pour avoir l'autorisation du gouverneur. Et en 4 milliers, l'ANAMED va vous dire quelles sont vos salles. Il faut qu'il y ait des salles et des équipements adéquats. Vous voulez ouvrir un centre de santé, l'ANAMED va vous poser la question, c'est quoi un centre de santé? Quelles sont les conditions pour réunir un centre de santé? Si vous ne répondez pas à des normes, l'ANAMED va vous dire ce que vous voulez ouvrir là, ce n'est pas un centre de santé, c'est un dispensaire. Alors pour arriver en taille d'un centre de santé, il faut avoir ça comme matériel, avoir ça comme personnel. On comprend bien que cela rentre dans votre objectif oui. spécifique, la restructuration même du secteur privé. Alors j'aimerais bien rebondir, c'est la préoccupation qui a été soulevée tantôt ici par toujours par mon co-animateur et Séphil Jean-Smilaï. Vous avez, on a fait évocation de l'incident qui s'est déroulé à Cram. Et moi, ça me fait directement penser au programme de couverture santé universelle. Je sais que vous en savez long comme le bras. Et donc, j'aimerais bien, puisque vous œuvrez dans le secteur médical
observé, j'aimerais bien savoir quelle est la place, n'est-ce pas, la place du secteur médical privé dans la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Voilà, merci pour cette question, mais remontons dans l'histoire. Puisque je vous dis, la couverture de la santé universelle n'est qu'un reflet d'une charte d'Alma-Ata qui a existé 42 ans avant. Okay. Sous l'emprise du ministre, si j'ai une bonne mémoire, docteur Paul Kalonda lui-même. Puisque le pays avait subi des moments de détresse. En 1978, il s'est tenu une réunion ou une conférence internationale en URSS et qui dégageait comme le plan d'action, c'est la déclaration des chartes d'Alma-Ata, okay, qui primait sur les soins de santé primaire. Et cette conférence, elle soulignait une action de dirigeance de tous les gouvernements. Et tous les délégués de secteur médical, et y compris de la communauté internationale, elle réunissait dans cette époque-là plus de 12 000 délégués venant des 134 États. À quoi était souligné ou à quoi était dit comme axe? La première des choses, c'était il faut qu'il y ait un lien entre le développement et la santé. C'est-à-dire quoi? Le ministre de la Santé, une fois, l'a dit. Pour qu'il y ait un développement, il faut qu'il y ait la population en bonne santé. Or, la population en bonne santé, quand la population est en bonne santé, elle produit. Et quand la population est malade, elle ne produit pas seulement, mais elle consomme. On ne peut pas assister dans le développement. Ça, c'était le premier axe que la charte d'Alma-Ata a prôné. La deuxième, ou le deuxième axe, c'était de mettre en place la médecine préventive. Qui aujourd'hui, le secteur médical privé en profite. Dans le domaine de la vaccination, le secteur médical privé est là pour vacciner des enfants chaque jour. La troisième des choses... Ça rentre dans le cadre du partenariat public-privé que vous avez signé et qui fait en sorte que vous puissiez bénéficiaire, n'est-ce pas? Mais ce partenariat n'est qu'une théorie. Okay. Est-ce qu'il y a un document écrit qui justifie qu'il y a un partenariat public-privé? Bon, je crois que si nous travaillons, c'est parce que... C'est parce que... Vous pouvez dérouler les autres... Oui, c'est parce que... Allez-y. Si nous travaillons, c'est parce que nous sommes régis par le bureau central, okay, ou les bureaux centraux. Dans le bureau central, c'est l'équipe cadre de la zone de santé qui est là pour coordonner la couverture de la santé locale, premièrement, tout en primant sur la qualité des soins ou la couverture de la santé locale. Et il est là aussi pour la rationalisation du fonctionnement des centres de santé. Or, le bureau central ne travaille qu'avec des structures qui sont agréées dans le centre de santé. Alors, les centres qui ne sont pas agréés, ils fonctionnent comment? Ils viennent chez nous, docteur, j'ai des clients là-bas, j'ai besoin de tel vaccin pour aller vacciner. Or, le médecin chef de zone devrait au préalable répertorier des structures qui ne sont pas agréées. Alors, qu'est-ce qui manque pour que les structures là soient agréées? Je crois que c'était une parenthèse. Oui, voilà. Et le deuxième axe, c'était la médecine préventive. Que déjà, la charte d'Alma-Ata a déjà une place ici en aire de Congo. Le troisième axe, c'était plus de promouvoir la médecine gratuite. Et la construction de centres gratuits. Des centres de santé gratuits. Et maintenant, j'applaudis les efforts du gouvernement tout en installant le plan de 145 territoires. Donc, il faut construire plus de 783 ou 738 centres de santé. Mais là, j'anticipe. J'anticipe en disant quoi? La couverture de la santé universelle demande qu'il y ait une forte couverture de la santé territoriale. Puisque la couverture de santé universelle sans la couverture territoriale n'est qu'une coque vide, c'est-à-dire une grossesse molaire. Il y a le plan s'étend à l'intérieur, il n'y a pas l'utérus. Si on continue à frapper, cette grossesse molaire-là dans les jours à venir peut évoluer comme un chorio-carcinome, un cancer. D'où provient la couverture de la santé territoriale? C'est dans le diagnostic territorial. Qui pouvait donner ces informations-là? C'est dans les ouvertures des centres de santé, tout en faisant les diagnostics territoriaux.
Je vous ai parlé tantôt, il faut qu'il y ait une cohérence entre la santé de la population et l'offre de la santé existante. Donc la couverture santé universelle devrait préalablement tenir compte de la couverture de la santé territoriale. Territoriale. Donc si on comprend bien, c'est mal parti. Mais au début, c'est déjà ça, parce que nous avons une faiblesse de la couverture territoriale. La moindre des choses, je peux poser une question. Dans la feuille de... Dans la une feuille... question à laquelle vous allez répondre vous-même. Oui, je peux répondre. Je vous réponse et puis je... Allez-y. Non, hein? Pourquoi? Non, c'est nous qui posons les questions. C'est vrai ça? Évidemment. Alors donnez-moi une seule bonne raison que la maternité gratuite, qui fait partie des initiatives de la couverture de la santé universelle, soit commencée à Kinshasa. Donnez-moi une seule bonne raison. La réponse est que à Kinshasa, s'il faut, en termes de statistiques, le nombre de femmes qui accouchent dans le centre de santé représente 98%. Alors, vous instaurez une couverture d'assiette universelle dans la thématique de la catégorie de la maternité pour 2 femmes seulement, ou 2% de femmes. Or, dans l'ancienne province de Katanga, Lualaba, moi je ne suis pas de Lualaba, moi c'est du Congo central, il y a 63% de femmes qui accouchent dans le centre de santé. Alors, les 37 là accouchent où? C'est-à-dire quoi? La couverture de la santé universelle via la gratuité de la maternité devrait commencer par le problème cible. Donc, pour vous, la couverture de santé universelle ne peut pas commencer à Kinshasa. Mais pour quelle raison? C'est parce que nous sommes le siège des institutions. Mais non! La capitale ne veut rien dire. Nous voulons avoir l'ampleur. Mais cela n'exclut pas le fait également que la couverture sanitaire en train de s'étendre dans toutes les provinces. Vous avez dernièrement au préalable. Congo central, et ça va continuer dans le Congo profond. J'en dis ça pourquoi? Puisque aujourd'hui, dans les taux de mortalité maternelle, la RDC passe de 540, quelque chose comme ça, en 800 femmes qui meurent chaque année. On devait normalement identifier les problèmes. C'est dans quelle province que nous enregistrons tant de morts maternelles. C'est de là où on devait commencer par l'installation de la maternité gratuite. Qui est pour moi? C'est une assurance santé maternelle. Puisque j'en dis ça, peut-être en blaguant, hein? Mais c'est les journalistes. Si aujourd'hui ta femme a une grossesse, est-ce que vous souhaiteriez ce qu'il soit ou qu'elle soit accouchée dans ce qu'on appelle la gratuité de la maternité? Parce que là, c'est un projet de grande envergure. Pourquoi ne pas l'appeler l'assurance santé maternelle? Ça aurait dû avoir même des sens. La gratuité de la maternité n'est qu'un volet de la couverture santé universelle. Mais pourquoi vous l'appelez la gratuité de la maternité? Ou de l'accouchement, la gratuité de l'accouchement. Mais pourquoi la gratuité? Mais c'est ça. Pourquoi ne pas l'appeler l'assurance santé maternelle? Ça aurait dû y avoir un peu. Mais qu'est-ce que ça change, ces changements des concepts? Ça change quoi? Ça porte quoi concrètement? À présent. Ici, on a besoin, ici, n'est-ce pas, que nous puissions observer, n'est-ce pas, je dirais, observer quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur. Je n'en réfuse pas. Est-ce qu'en l'appelant l'assurance santé, on n'aurait pas dû y avoir quelque chose de mieux? Je ne sais pas. Même aux yeux des expatriés. L'assurance santé maternelle aurait dû avoir un sens. Ah oui. Mais si je comprends bien par cette forme d'extrémisme dans vos propos, je me rends compte que vous bottez en touche la couverture santé universelle ou la gratuité de la maternité. Non, pourquoi pas? Je vous ai dit pourquoi est-ce que la maternité est quand tu sors comme ça, Kinshasa. C'est pour deux personnes. Vous récusez seulement le fait non, que... Non, non, non. La deuxième des choses, c'est... Non, 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 non. Puisque la maternité gratuite, s'il faut énumérer ses services... Il y a le service de conception prénatale. Okay. Il y a l'accouchement simple et l'accouchement dystocique par césarienne ou l'accouchement difficile. Nous avons les soins les soins presque prénatales. D'accord. Alors, revenons encore à la deuxième préoccupation que le docteur Mbaki a développée dans ses pensées. Concernant la couverture. Oui, concernant la couverture de la santé universelle. Les taux de fécondité. Ici à Kinshasa, c'est 4,1. Donc, c'est-à-dire quoi? S'il faut courir. 4,1%. Bon, à vrai dire, s'il faut passer de famille en famille, vous en trouverez le nombre d'enfants, soit 3 ou 4. D'accord. Mais à Lualaba ou à Mbujimayi, dans des familles, nous avons de 9.
8 à 9 enfants par famille. Alors, vous parlez en termes d'enfants. Oui. Okay. C'est-à-dire quoi? Donc, ces enfants-là pouvaient bénéficier de ces soins liés à la gratuité de la maternité. Et puis, la deuxième des choses, pourquoi est-ce que je l'ai dit? Aujourd'hui, dans le défi qu'attend le ministre, il va lancer dans les jours qui viennent une campagne contre la malnutrition. Or, selon une étude menée par le Shops Plus ou IBC Associati, la RDC contribue avec quatre autres pays du monde à la moitié des taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Où nous enregistrons le nombre des enfants de moins de 5 ans? C'est pas ici à Kinshasa. C'est à l'est du pays. Donc s'il faudrait lancer cette campagne-là, on doit cibler les problèmes là où ils se trouvent. Mais je l'ai dit ici, ça évolue petit à petit, step by step. Non. On va commencer l'initiative là où il y aura de l'ampleur. Okay. Voilà, docteur, nous sommes en train de chuter. Il ne nous reste que quelques déjà petites minutes. Oui. Mais je n'ai même pas fini en ce qui concerne la charte d'Al-Maraq. Non, on y reviendra, parce que moi d'ailleurs, je vais me plaindre du fait que j'aurais bien aimé en tout cas que vous puissiez placer de manière beaucoup plus pragmatique votre point de vue en ce qui concerne la place du secteur médical privé dans la couverture santé universelle. On a vu que vous avez survolé ça. Je vous ai répondu en disant quoi? Les centres de santé ont des statistiques en ce qui concerne les diagnostics territoriaux. Or, lorsqu'on parle de diagnostic territorial, on voit directement la couverture territoriale. Voilà. Or, la couverture territoriale n'est que le socle de la couverture de la santé universelle. Voilà. Je vous ai dit. Voilà, courant derrière les temps, nous sommes vraiment arrivés. Nous sommes trop avancés assez vite et nous avons consommé tout notre temps. Les plateaux, restez à vous, c'est-à-dire quand vous aurez besoin de notre message. Okay. Et venez par nous, on va certainement vous recevoir pour un grand sujet où nous allons certainement nous étendre sur la couverture santé universelle. Mais pour chuter, Anamed certainement a des défis et des difficultés, des contraintes qu'elle a rencontrées, qu'elle rencontre pour sa mise en place ici en RDC sur le plan international. Comment faites-vous pour les relever et qu'est-ce que vous demandez à l'État congolais? En vrai, le problème qu'il a, l'Anamed est le bienvenu chez les majorités, c'est-à-dire des centres de santé qui évoluent dans le périphérique. Mais l'Anamed rencontre un problème sérieux dans les minorités. À présent, s'il faut frapper le porte, on vous dira, vous êtes là pour les chiffres. Or, en regardant Dr Mbaki, il n'est pas là pour les chiffres. Dr Mbaki est là pour les idées. Vous comprenez? L'ANAMED veut en sorte que toutes les structures qui vont le mettre dans le secteur médical privé nous rejoignent. Enfin, faire face dans beaucoup de défis qui nous attendent. L'ANAMED proposera beaucoup de choses. Par exemple, pour motiver les inférieurs, l'ANAMED propose même des soirées galantes en disant que non, on va donner le prix à la structure la plus propre de la RD Congo. Par exemple, l'ANAMED donnera des prix au médecin directeur qui gère bien son hôpital. Vous comprenez un peu ça, non? Et l'ANAMED veut en sorte que non, les concepts soient définis. Parce qu'à présent, si vous allez dans la population et vous posez, est-ce que vous consultez l'hôpital? Il vous dira, ça c'est un hôpital privé ou public. Et l'ANAMED, voilà ce qu'il y a la définition des concepts. Comment ça? Parce que, par exemple, la clinique, on retrouve la clinique dans le secteur privé et public. Or, la clinique n'est rien d'autre que non, un établissement hospitalier, mais dans le milieu privé. Quand on parle d'Ecofine Télévision, nous sommes une chaîne axée principalement sur l'économie et les finances. Nous avons en tout cas avec vous brossé l'essentiel du secteur médical privé, tout en découvrant une structure que nous ne connaissions pas à l'époque, Anamed, et ça nous a mis en tout cas la puce à l'oreille. On a compris les défis majeurs contre lesquels est buté le secteur médical privé. Mais on aimerait bien savoir, c'est vrai que c'est une question peut-être à laquelle vous avez déjà répondu, mais puisque c'est économie et finances, il faudrait au moins une question finale qui cadre vraiment avec l'économie et finances. C'est vrai qu'on a brossé aussi ces questions qui cadrent avec l'économie et finances, mais quand même, il faut épingler cette évidence. On aimerait bien savoir à quelle hauteur contribue le secteur médical privé à l'économie nationale. Mais franchement, il y a des livres qui nous en parlent. L'ampleur ou la cotisation du secteur médical privé est inconnue, voire même insignifiant. Pourquoi? Ce sont des secteurs médicaux qui évoluent autonomes, tout dans les ouvertures jusqu'à
aux activités. Mais vous pensez, vous pensez que sans pourtant vous interroger, je sais que vous allez dérouler autant d'explications, mais le temps nous est vraiment imparti. Okay. Mais comment l'ANAMED peut-elle pallier à ces problèmes-là? Parce que vous avez dit que votre objectif également, c'est rapprocher le secteur public au secteur privé. Okay. Et en rapprochant le secteur privé au secteur public, on sous-entend ou on déduit par conséquent que, n'est-ce pas, il faudrait que l'État aussi gagne, tire profit de ces partenariats-là. Et comment l'ANAMED réfléchit-elle à ces sujets? Voilà, l'ANAMED est là pour mettre en place les financements, par exemple, pour le secteur médical privé. L'ANAMED est là pour négocier même de l'exonération. Parce que le gouvernement ne va pas gagner de l'ANAMED de l'argent, mais le gouvernement va gagner de l'ANAMED la prise en charge de la population. Vous comprenez un peu ça, non? Alors, si jamais le gouvernement prend en charge, par exemple, 45% de la charge du secteur médical privé, est-ce que vous pensez qu'il y aura une diversification de tarification? Mais non. Sur le plan national du compte de la santé, le secteur médical privé n'a que moins de 15% du financement de l'État. Le 43% revient aux investisseurs eux-mêmes. Et 40%, s'il faut le dire au moins de 40%, provient de la population. La population souffre pour mettre beaucoup d'argent dans leur compte de la santé. Voilà. En tout cas, docteur Fafan Baki, je rappelle que vous êtes coordinateur général national de l'Association nationale des médecins directeurs des secteurs médical privé en RDC, ANAMED en sigle. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau d'Ecofin Télévision et Diagnostic pendant ces près 60 minutes. En tout cas, une fois de plus, nous vous remercions et nous pensons qu'à la prochaine, nous aurons encore le temps de discuter sur un sujet un peu plus large avec vous. Une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'était votre magazine Rediagnostic. Merci de votre attention. Les rendez-vous est pris la semaine prochaine avec un autre invité pour diagnostiquer et analyser un autre secteur. D'ici là, portez-vous bien et accompagnez le ventre des programmes.